Salut à tous, c'est Chris du blog SinoDroidTV.net. Aujourd'hui, juste reçu à l'instant une nouvelle box que j'ai découvert par hasard sur le net, provenant du site Zavi.com, Zavi Z-A-2-V-I, et des spécialisés a priori, donc c'est pas a priori, spécialisés dans les box geek. Et produits en tout genre, DVD, Blu-ray, plein de choses. Bref, donc là j'ai pris une box au mois, et une box au mois est à 24,99€. Donc on va découvrir cette box ensemble. La voici. Elle est plutôt jolie, cette box. Hein, une box plutôt belle. Très agréable à l'œil en tout cas. C'est pas un carton ordinaire. Livraison 24,99€, c'est livraison comprise, donc livraison gratuite. Alors, eh bien, écoutez, je vais prendre le scalpel de Dexter et on ouvre ça. Voilà, c'est fait. Et on va découvrir ça ensemble, tout de suite. Donc, plein de jolis dessins, du Deadpool. A priori, là, c'est des super-héros. Alors, est-ce que les boîtes sont à chaque fois différentes suivant les thèmes? Je ne sais pas, c'est la première. Bien, écoutez, en tout cas, elle est bien remplie, elle est vraiment très belle cette boîte. Regardez, voilà, et voilà son contenu. Alors, un t-shirt taille L. Oh, c'est du grand, hein. Voilà, donc je dirais que c'est ressemble à un t-shirt de Link. Licence Zelda, hein, on dirait bien. Donc je ne sais pas trop ce que ça représente tout ça. Alors après, un roman Arrow, un roman en anglais, parfait pour faire travailler l'anglais ou pour continuer à lire dans sa langue natale. Ensuite, plein de petites choses quand même sympathiques. Flash, vous le reconnaissez. Donc un petit personnage Flash qui a pas l'air léger, donc c'est pas du plastique. C'est bien du métal et il est pas léger. Donc bonne qualité, belle qualité, belle finition. Jolie finition pour ce Flash super héros Marvel. Hop. Ensuite, et c'est une édition collector. Alors attention les yeux, j'en connais qui vont adorer. Il est bien en terre cuite, c'est pas du plastique, un sacré mug, hein. Alors il n'est pas utilisable au lave-vaisselle, pardon, et au micro-ondes. Bon, bah écoutez, on fera avec, hein. Ensuite, ouais, c'est des gros trucs, mais c'est bon, bref. Alors, après, Mario Kart, oui. Bon, alors, il donne ça parce que, en fait, comme la Wii ne se vend plus, hein, quasiment, c'est juste un petit truc qui roule. Alors, attendez, on va regarder ça tout de suite. Voilà, et ça doit se remonter. Non ? Oui, c'est ça. Donc bon voilà, c'est juste un petit truc qui roule. Voilà, c'est pour les collectionneurs, on va dire. Et puis, bah, comme dans toute box qui se respecte, le Z-Box Magazine. Donc là, c'était les légendes. Alors les légendes vont de Link, c'est bien ce que je disais, Arrow. Donc c'est une box anglaise qui est importé dorénavant donc en France, puisqu'ils ont un site en français. Petit magazine complet qui explique les légendes différentes, comment choisir son dragon, bref. Alors, pour les non-initiés en anglais, ce sera, je pense, un peu difficile, parce que c'est complètement en anglais, c'est vraiment une box anglaise. Alors, je vais, je pense, commander une loot crate
pour tester cette box américaine et voir son contenu. Alors, par rapport aux 24,99€ de cette box, je dirais que ça me semble honnête, mais sans plus. Sans plus, pour la simple et bonne raison, c'est que ça, c'est du vieux. Ça aussi, ça doit plus valoir très très cher. Le mug Zelda, ça, on sait que ça coûte, parce que Zelda, tout ce qui est Zelda, coûte de l'argent. Et quant au roman, je vais vous dire le prix, puisque le prix est écrit dessus, je l'ai vu, 10$ canadien, ou 7 livres, enfin 8 livres, puisque 7,99€, donc 8 livres anglaises. Donc, je ne sais pas trop après, est-ce qu'il y a le prix de cette chose. Ça, par contre, c'est vraiment un mug version 2016. Donc, ça vaut. Ça, je sais que c'est pas récent, parce que ça me dit quelque chose, et j'ai eu un Superman, Spider-Man, comme ça. Donc, ça date au moins de 2007-2008. C'est écrit 2008, DC Comics. Ça, bon, voilà, je l'ai dit. Et quant au t-shirt, allez, on va dire 15€, quoi. 15-20€. Bon, la boîte est très belle. Mais je dirais que le contenu, à part, allez, on va dire, une, deux, trois choses intéressantes, ça reste un peu moyen, mais elle n'est pas aussi chère que d'autres box qui sont au moins 5€ plus chères. Donc voilà la présentation de la Z-Box. J'en ai commandé une spéciale chez eux, qui est un peu plus chère, qui est a priori beaucoup plus grosse, plus de produits, et avec un thème très spécial. Donc j'attends de la réceptionner et je vous en ferai la vidéo. Ben, pour l'instant, écoutez, on va se dire au revoir. Il fait beau dehors. Je vais profiter parce que ça va être le week-end. Je vais prendre un peu de repos parce qu'il y a eu beaucoup de boulot de fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Faites bien attention à vous. Et allez, ciao.